Salut, c'est Gaspard. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 934 Show. Aujourd'hui, un invité très spécial, Sonic M, DJ, producteur, rappeur et également intervenant sur l'atelier musique du Cap-J. Bienvenue, Sonic M, sur 934 Show. Merci. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je peux. Vas-y. Donc, je m'appelle Sonic M, je suis DJ, producteur, entrepreneur, issu de du milieu hip-hop français. Et je travaille dans la musique depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, avec passion et abnégation. Très bien. Donc, actuellement, tu es intervenant à l'atelier musique du Cap-J. Comment t'en es arrivé là ? Donc je suis arrivé au Cap-J grâce à un ami de très longue date parce que j'ai mixé pour un événement pour la ville de Saint-Ouen, un événement justement avec le service jeunesse. Et j'ai pu performer à cet événement et rencontrer les membres du service jeunesse qui très gentiment m'ont proposé de venir travailler avec eux. Et c'était ainsi que je me suis retrouvé à l'atelier musique, MAO comme on dit, du Cap-J. Et donc à cet atelier musique, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, tu apprends la musique à des jeunes ? Alors... Le projet de départ, c'était ça. C'était de leur apprendre la musique, de faire de la MAO. La MAO, c'est-à-dire musique assistée par ordinateur. Mais je me suis adapté justement au public que j'avais devant moi. Et il s'avère qu'ils avaient besoin de plus que de la MAO. D'ailleurs, je fais quasiment la MAO, c'est pas vraiment l'activité principale. On a travaillé sur tous les aspects que touche le milieu musical quand on veut devenir un artiste. C'est-à-dire l'écriture, le chant, l'enregistrement en studio, le travail sur la communication d'un projet, justement comment mettre en place un projet, un CD, un album, une compilation, enfin quelque chose autour de son projet artistique. Donc voilà, je les aide à mettre en place ce dont ils ont besoin et les outils dont ils ont besoin pour développer des projets artistiques et musicaux. Je me dis que tu n'as pas arrêté tes activités en dehors du Cap-J, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais en dehors Donc j'ai mon média, un magazine d'art, de mode et de musique qui s'appelle Blender, pour lequel je travaille énormément et on produit pas mal de contenu en termes d'images, photos, qui est lié à la street culture, au hip-hop et aux cultures alternatives. Je développe aussi beaucoup d'événementiels pour des entités, des entreprises, des institutions, Ville de Paris, Grand Palais, Adidas, Nike, enfin toutes les marques de ce genre et des agences de communication et d'événementiel. Et puis bien sûr, en tant qu'artiste, je continue à faire de la production musicale en produisant de la musique pour des artistes, pour moi-même bien sûr. Voilà un petit peu ce que je fais. C'est déjà pas mal. Donc j'ai vu que tu participais tous les ans à l'événement L'Abbé Rhône, oui, contre le mal logement, avec plein d'autres grands artistes comme Nekfeu par exemple, et que t'amenais des jeunes du Cap-J là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais là-bas ? Ben, c'est assez simple, hein, par une amie à moi qui travaillait déjà avec la fondation de l'Abbé Pierre, m'a proposé il y a 4-5 ans maintenant, quand ils ont lancé ce projet de concert urbain à destination des jeunes, parce qu'il faut savoir que le mal logement en France touche essentiellement les jeunes, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais les jeunes sont vraiment très touchés par les problèmes du mal logement. Moi, à cette époque-là, je travaillais aussi comme éducateur en foyer, donc c'est quelque chose qui me touchait d'autant plus, et je me suis dit, bon, bah, c'est intéressant de partager ma passion et de sensibiliser les jeunes à des problèmes de société auxquels la plupart d'entre eux ou d'entre vous allaient être confrontés. Donc chaque année, quand je le peux, ben, je les emmène sur cet événement. Ça leur permet bien sûr de passer du bon temps, de voir des artistes intéressants dont je fais partie puisque je suis sur scène en tant que DJ, mais aussi de les sensibiliser à ces problèmes-là, parce que c'est vrai, quand on est dans son quotidien, en cours, à l'école, c'est pas le mal logement, c'est loin, c'est quelque chose de très très loin, alors qu'en vérité, c'est quelque chose qui arrive souvent très très vite en fait, surtout quand t'as passé ton bac, tu commences à chercher un logement ou que tu te retrouves à la porte de la maison pour multiples raisons, donc voilà. Donc oui, c'est intéressant de les emmener, puis de les ouvrir aussi sur le monde, montrer que le milieu de la musique, c'est pas que les strass et les paillettes, comme on dit souvent, c'est aussi des causes auxquelles on peut s'abandonner et donner le meilleur de soi-même. C'était beau ce que je viens de dire, putain. Merci Sonic M d'être venu. Merci à toi. Très heureux. Moi aussi. Avec toi, c'était fou. C'était un grand déplacement de si loin. De si loin, bah, c'était quand même 20 mètres à peu près, je pense. Oui. Et surtout avec tes grandes jambes, ça peut être. Non. Ouais, c'est compliqué. C'est bon. Ouais. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Longue vie au 934 Show. Finalement, franchement, oui. C'est vrai que vous êtes très outillés, outignés. Et je pense que c'est hyper important ce genre de choses. Donc continuez comme ça et on se retrouve bientôt. Oui, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du 934 Show avec un nouvel invité finalement.
au moins aussi qualitatif que Sonic M, espérons-le du moins. Si ce n'est plus. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui?